allumez la lumière et la clé se libère. Puis faites-la coulisser ou vous finirez prisonnier. Il faut absolument ramener la troisième. Métro, la station de métro inondée, comme l'indique le panneau. Et oui, malheureusement, voilà encore un projet que le père Foura avait lancé et qui a fini par la fermeture de la station. Qui va aller dans le métro? Je vous rappelle que l'idée, bien sûr, c'est de ramener la clé. Toi, t'aimes bien la flotte, toi? Moi? Pas du tout. Non, pas spécialement. Là, je pensais. De toute façon, c'est le père Foura qui décide et il a décidé que ce serait Cyril. La première idée, c'est qu'en fait, la station est dans l'obscurité. Donc, il faut allumer le courant grâce au câble électrique. La lumière va s'allumer et la clé sera accessible. Les pompes vont aussi se remettre en marche, ce qui fera monter le niveau d'eau. La porte qui permet d'entrer et de sortir de la station va se verrouiller. Une seule façon de ne pas être prisonnier, réussir à faire coulisser la clé le long d'un tuyau et déverrouiller la porte avant la fin de la clepsydre. Si jamais tu ne reviens pas à la surface, ça veut dire que dans ce cas-là, tu seras fait prisonnier. Ok. Vas-y. Cyril, là aussi, c'est dans la tête, mec. Hein. Ouais, c'est dans la tête, ça va le faire. Allez, vas-y, Cyril. 3, 2, 1, go. Allez, Cyril, allez, go. Vas-y. Allez, mon gars. Vous avez pris le... Allez, salut, Cyril. Regarde ça. Mais ouais, mais sérieux, quoi. Super bien, la queue. Ça y est, il est là. On le voit, évoluer, là. Seule une lumière de service permet de le guider. D'accord. Donc là, il ne voit rien, il faut qu'il actionne. Voilà, allez, tout droit, Cyril, c'est tout droit. Tout droit, tu la vois, voilà, la petite c'est lumière, pas mal. Là. Attention, quand tu actionnes, c'est parti, hein. Parfait. Le courant est rétabli. La clé est libérée. La station de métro commence malheureusement à être inondée et la porte est maintenant verrouillée. Allez, vas-y, Cyril. Go. Allez, vas-y. Et ça monte de malade. Ça va très très vite. Il faut dévisser les petites rondelles. L'eau, elle monte, mais de ouf, quoi. Pour sortir du tunnel. Ah non, il l'a fait passer. En fait, il n'est pas rentré dans le tube. Il l'a fait passer. Et oui, pas bête. Il l'a fait passer comme ça, ok, d'accord. C'est une bonne technique. Ouais, moi, je ne comprends rien, en vrai. Non, il va vachement vite, là. C'est bien, il est déjà à la porte. Il va super vite. Là, putain, c'est malin. Il va casser la porte. Et qu'est-ce qui se passe, là? Il faut qu'il casse la porte. Ah bah vas-y, casse la porte. Il a compris qu'il va, voilà, briser la, voilà. Allez, ouais, voilà. Putain, la droite, la pime. Allez, superbe. Il a même pas utilisé le marteau. Il a deux enclumes. Allez, vas-y, allez, Cyril. Ouvrir la porte, maintenant. Allez, Cyril. Ouais, il a ouvert la porte. Bien vu. Superbe. Au niveau du temps, on est bien. Là, il faut qu'il se dépêche, les amis. Regarde la clepsydre, on est quand même à moitié de temps. Ouais, moitié du temps. Un peu plus de la moitié du temps. Ouais. Allez, Cyril, avance. Et oui, comme Cyril n'a pas dévissé les rondelles à l'aller, il perd beaucoup de temps sur le retour. Allez, Cyril, vas-y, fonce. C'est là où il faut qu'il aille très vite. C'est tout droit. Allez, Cyril, il faut que t'avances là maintenant. Vas-y, allez. Non, mais il faut qu'il suive. Il n'a pas réfléchi, il faut qu'il suive le tube. Allez, Cyril, vas-y. Ouais, viens, vas-y. Allez. Ah putain, allez. Il est à côté en plus, il est pas loin. Je sais pas où il en est. Il faut aller, Cyril. On a perdu beaucoup trop de temps. Putain, allez. Regarde, il reste plus grand chose. Ah, Cyril. Allez. Attention, regardez la clepsydre, il nous reste quasiment. Allez, Cyril. Allez. Mais non, il a les rats. Putain. Prisonnier. Mais non, on a perdu Cyril. Putain, je suis dégoûté. C'est costaud, hein. Ah non, mais pas Cyril, là. C'est la soirée de tous les dangers. Je suis désolé. On va pas se laisser décourager comme ça pour un épisode de mise en prison. Oui. Certes, Cyril est un élément important d'équipe. Heureusement, vous êtes encore à 5. Oui. Ça n'est pas rien non plus. Oui. On a Elsa. Quand même. Ouais. Est-ce que c'est un vrai. On a perdu Cyril, mais on a quand même Elsa. Évidemment. Donc. Je sens un peu de sarcasme. Non, 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 non